Annuellement, nous rassemblons sur le site de Condé-sur-Vire notre assemblée générale des fédérations départementales des caisses locales de la Manche, donc où on aborde le rapport d'activité, ce qu'on a fait tout durant de l'année, de la prévention essentiellement. Nous sommes friands dans la Manche sur des actions de prévention. Et puis aussi, c'est l'occasion pour nous de finaliser des partenariats qu'on a historiquement déjà parcourus depuis quelques années. Et cette année, on a la chance d'avoir le nouveau président des JA. Et c'était l'occasion aussi de faire sa connaissance et à lui aussi de faire connaissance avec nos sociétaires. C'est un partenariat donc, où on met en avant Groupama aussi et pour que Groupama apporte un réel conseil d'assurance auprès des jeunes qui peuvent être adhérents chez nous, notamment par le biais donc, de différentes communications sur les animations du territoire que l'on peut faire, mais également lors de conseils d'administration ou de bureaux, ou lorsqu'il y a des produits spécifiques à l'agriculture. Le jeune aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, se doit d'avoir une réflexion sur son assurance, que ce soit privée, mais également professionnelle, avec l'ensemble des cas qu'il peut rencontrer sur son exploitation. Il y a la partie statutaire de notre assemblée, et on essaye de mettre un thème qui touche de près ou de loin l'assurance. Bon, là, on a choisi le thème de la saga cerise, c'est la communication. Et je pense que c'était intéressant d'avoir le côté préparation. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir cerise à la télé. On s'interroge concrètement ce que ça donne à Groupama. Est-ce que derrière, il y a des contrats qui se signent? C'est bien un but de marketing. Et je pense que c'était intéressant d'avoir cette relation, ces études. C'est vraiment une préparation de communication qui se justifie. Et nos sociétaires sont assez demandeurs de ces informations-là, parce qu'eux sont sur notre territoire comme nous des spectateurs, hein, on regarde ça à la télé, mais c'est important d'avoir ce retour et le travail qui est fait au niveau national. À bientôt sur tevie.tv.